Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence Capital Santé Optimisée. Dans cette conférence, on va parler de la loi d'attraction et surtout notamment comment la mettre à notre service pour attirer à nous en fait tout ce qu'on désire vraiment et atteindre nos objectifs. Donc on va découvrir tout de suite ensemble le programme de cette conférence. Et donc le programme de cette conférence sur la loi d'attraction, on va commencer par, comme d'habitude, une petite définition, poser le cadre pour qu'on parle bien tous de la même chose et on verra qu'est-ce que la loi d'attraction, mais aussi ce qu'elle n'est pas. On verra les freins qui vont vous empêcher en fait d'exploiter à votre avantage cette loi d'attraction. Là, on abordera des notions comme le négativisme, la dépendance, les croyances limitantes, les doutes, les peurs hein, qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs, notre entourage et nous-mêmes, parce que on le verra un peu plus en détail, nous sommes notre pire ennemi pour attirer à nous l'abondance et tout ce qu'on peut souhaiter grâce à la loi d'attraction. On abordera aussi les bonnes conditions pratiques pour que ça fonctionne justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans sa vie, dans son quotidien, pour que la loi d'attraction fonctionne à notre avantage. Donc on verra les 9 commandements de la loi d'attraction et on verra la méthode d'application VIS, V pour vouloir, I pour incarner et S pour solliciter, pour vraiment mettre en pratique et en application cette méthode avec un petit rappel des qualités nécessaires à posséder pour mettre en œuvre cette pratique, puisqu'on le verra juste après quand on définira la loi d'attraction. C'est du travail, ce sont des règles de pratique à maîtriser, mais on verra tout ça bien évidemment plus en détail. Et pour finir cette conférence, on verra rapidement quelques pièges à éviter. Attention à ne pas tomber dans ces pièges pour une bonne pratique optimale. Voilà, un bon programme qui nous attend. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec la définition qu'est-ce que la loi d'attraction?